Pourquoi aujourd'hui les artistes ivoiriens ne sont pas connus mondialement comme il le fallait? Pourquoi ils ne sont pas connus dans les pays du monde comme ils le souhaitent? Alors soyez très attentifs, écoutez très bien. Si aujourd'hui les artistes ivoiriens ne sont pas connus mondialement, alors qu'ils sont très très talentueux, c'est qu'il faut se poser une vraie question et analyser le pourquoi. Le problème des artistes ivoiriens aujourd'hui, c'est que c'est eux-mêmes qui se mettent les barrières. Quand un artiste ivoirien fait une chanson, il pense seulement à ses fans d'Abidjan. Quand ils rentrent en studio, ils font une chanson adaptée seulement que pour des Ivoiriens. Quand vous chantez une chanson et que vous dites les mots que personne d'autre ne comprend sauf les Ivoiriens comprennent ce que vous dites dans la chanson, dites-vous que cette chanson sera limitée et vous ne toucherez pas un large public. Ça va vous mettre des barrières. Si vous voulez être connu partout dans le monde, faites des chansons qui parlent à tout le monde et non une chanson pour la Côte d'Ivoire uniquement. Même si vous chantez dans une langue que les autres ne comprennent pas forcément. Faites en sorte que quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous dites dans la chanson puisse danser, parce que le rythme, les mélodies sont adaptées à toute personne partout dans le monde entier. Aujourd'hui, les artistes ivoiriens veulent faire concert dans les grands espaces, comme les autres artistes de renom. Mais ils oublient que quand tu veux faire des concerts sans frontières, alors il faut proposer une musique qui doit attirer tout le monde. Quand quelqu'un qui est hors de votre pays entend votre chanson puisse se poser des questions, mais qui chante cette chanson. Même si la personne ne comprend pas votre langue, alors je vous donne un exemple. Davido est écouté partout dans le monde. Tous ceux qui écoutent Davido ne comprennent pas forcément l'anglais. Mais ce qui attire les gens à l'écouter, c'est la musicalité, les mélodies, qui plaisent aux gens. Et aujourd'hui, il fait des grandes salles, partout. Alors prenons le cas de l'artiste ivoirien, qui montait les bas. Cette chanson qu'il a faite est reprise aujourd'hui partout dans le monde entier, sur TikTok et partout. Si cette chanson est écoutée et dansée par des gens qui comprennent même pas le français, c'est qu'il y a une partie de la chanson qui parle à tout le monde, même les Chinois ont dansé sur cette chanson. C'est qu'il y a une partie qui les attire forcément et il y a la mélodie qui ne laisse personne indifférente. C'est ce qu'il faut que les artistes ivoiriens comprennent aujourd'hui. Vous pouvez faire le coupé décalé. Mais il faut que cette musique soit fabriquée pour tous les mélomènes du monde entier. Même s'ils savent pas c'est quoi le coupé décalé, mais de la manière la chanson est faite, va les toucher et vous verrez le résultat. Prenons l'exemple de l'artiste sud-africaine, Nom Kebozi Kode. Son titre, intitulé Jérusalema, à faire le tour du monde et cette chanson continue de faire danser toujours dans les quatre coins du monde. Alors, c'est quoi le secret de son succès? Le secret c'est que la mélodie parle déjà à tout le monde. De la manière la chanson est composée, et le rythme est adapté à tout le monde même si vous comprenez pas ce qu'elle dit. Mais une chose est sûre que c'est agréable à l'oreille. Et c'est ça qui manque aux artistes ivoiriens. Ils sont talentueux. Mais ils ne font pas vendre leur musique, ils font des chansons seulement que pour leur communauté. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Quand on voit l'artiste de Bordeaux aujourd'hui, qui s'en prend à l'artiste Fally Ipupa. C'est pas Fally ton sorcier. Mais le truc, c'est que les artistes ivoiriens doivent s'asseoir ensemble et réfléchir. Se poser des questions pourquoi nous ne sommes pas présentés mondialement comme Fally, alors que nous avons du talent. Et la réponse est que Fally, la plupart de ses chansons, sont même chantées en langue congolaise. Mais tout le monde arrive à écouter et à danser. Même s'ils ne comprennent pas forcément la langue congolaise. Parce que quand un artiste rentre en studio, il doit se dire, cette chanson je la fais pour les mélomanes du monde entier, et non pour ma communauté seulement. Vous avez tous dansé, écouté, et vous continuez toujours d'écouter la chanson Sitialos, de l'artiste dit Kenzo, parce que cette chanson a été travaillée pour tout le monde. Après mon analyse, c'est que, les artistes ivoiriens doivent faire la musique adaptée à tous les mélomanes, et on verra la suite. Cette analyse a été faite par JL Media. JL Media, la chaîne tout terrain.